je vends les chaussures à mon colo et que je ne nourris pas ma famille, oh, c'est bon. Nous poussons Fala par le Yama. Oups, merci. Personne n'est Yama, le game. J'essaie. Et voilà. She should have put like the seven before. Why did she wait so long? Why did she do that? Why did she do that? Bonsoir à tout le monde. Hi guys. So we're having tea tonight. We're having a tea party. I'm just joking. In the honor of the queen. So join me tonight. Okay. J'avais pas prévu de faire un direct ce soir. Et là, papa God s'est pointé, il a dit, tu dois parler à mes enfants ce soir. J'ai dit, ok, tu sais que je ne peux pas résister à l'envie, Seigneur Jésus. Donc, je suis là, je suis à ta disposition. J'ai dit, quand tu veux, où tu veux, je vais parler. Quand tu veux, n'hésite pas. Oh Jesus, je serai là. Bonsoir à tout le monde. On est vendredi, vous n'êtes pas parti en boîte de nuit. Vous n'êtes pas parti à Londres pour voir la reine. Enfin, pour rester au portail. Mais vous êtes là. Bonsoir, Coné, je vais très bien, merci. Bonsoir, la reine Béatrice. Bon, je suis emmenée dans les jours. Vous avez remarqué que je peux enseigner depuis 2-3 jours. J'enseigne sur vos dons. J'enseigne sur les dons des choisis. J'enseigne sur les dons des choisis. Voilà. Les précautions que vous devez prendre. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande que le Seigneur. Et Linda, que c'est ma tasse qui te détient encore au Camerounais. Je demande la protection contre tout venin qui a été injecté dans votre sang, dans votre tête. Vous ne le savez même peut-être pas, mais il y a des personnes qui ont voulu voler votre couronne. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Mets un peu le volume là-bas, on va voir si ça se passe. Oh, ben vous m'entendez apparemment. Bonsoir, Oferta. Oui, une fois de plus, je ne vais pas faire l'étude, whatever, aujourd'hui. Donc, je vais parler de votre couronne. Ok? Donc, je demande que ma bouche soit débloquée. J'enlève tout blocage sur ma voix. Et je reçois l'assistance des ancêtres. Je ne vais localiser personne ce soir. Voilà. Tout œil maléfique dans cette vidéo est enlevé. Je viens percer tout œil maléfique, toute personne qui voudrait bloquer le message que j'ai pour vous. Merci. Voilà, super. Je vous protège contre toute attaque maléfique. Voilà. Je mets la lumière dans vos pensées pendant que je parle. Bon, je vais vous dire ce que je vois. Je reçois des visions. Il y en a parmi vous. Quand vous étiez petit, 7, 13 ans, vous aviez des dons. Vous entendiez les voix, les anges. Vous pouviez voir les morts. On vous traitait même souvent de sorcière quand vous étiez petite. Et ces personnes ont vu votre couronne. Ces personnes ont vu votre couronne et vous l'ont retirée. Je vois vraiment la couronne, comme là, il y a la reine qui est décédée, paix à ton âme.
Il y a la couronne, votre couronne a été attaquée. Et ça a été fait quand vous étiez petit. Et c'est quelqu'un à qui vous faisiez confiance. C'est quelqu'un qui était jaloux de votre parent. Pourquoi l'enfant de ma soeur va réussir? Pourquoi l'enfant de la bonne va réussir? Mais on a accueilli sa mère dans notre famille quand elle était petite. Voilà qu'elle accouche. Et comment est-ce que Dieu peut donner tous ces dons à cette don? Je vois carrément ces pensées qui sont dans le cœur de la personne qui vous a fait cela. Et je vois la personne en fait faire des... C'est comme si la personne venait faire des incantations sur toi quand tu dormais. Je vois quelqu'un qui est en train de parler sur ton front. De la même façon que tu parlais prier pour un enfant quand il dort. Je vois la personne pendant ton sommeil venir te prendre ou couvrir ton étoile. Et à un moment, tu commences à devenir têtu. Je vois carrément, tu commences à devenir têtu. Et toute la famille se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Tu reçois intensément de la têtutesse. Et pour d'autres, je vois, tu commences à sortir avec beaucoup de garçons. Tu commences à sortir avec les gens des ordres. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a carrément une sorcière qui t'a ensorcelé. On va dire comme ça. Et cette personne, c'était un ami ou une amie de la famille. La personne était déguisée comme une personne gentille. Pour certains d'entre vous, c'était même... je vois la soeur, mais je vois aussi une bonne. Quelqu'un que vous avez pris, même vous avez aidé dans la famille. Et c'est cette personne-là qui voulait carrément gâter vos enfants. Donc, le Seigneur me dit qu'il est en train de te guérir. Mets la main sur ton poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Je m'accorde avec vos anges maintenant. Je commande la restauration de votre esprit. Je vois carrément, c'est comme si on a brisé tes armes, on les a éparpillées aux quatre coins de la terre. Ça, c'est carrément, je vois carrément de façon littérale, je vois des choses qui sont en train de se soulever du sol. Et c'est en train de venir vers toi. Ça peut être carrément ton mari ou ta femme. Qui est en train de venir à toi. Ça peut être quelqu'un qui avait promis de t'aider. Ou bien, je vois une marraine ou un parrain. Quand tu es né, on t'a peut-être nommé après la personne. Et la personne s'occupait de toi. Après un moment, pap, ça s'est coupé. Quand ça s'est coupé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. La personne t'a abandonné. Je vois aussi comme quelqu'un d'entre vous que ton père est très riche. Et on a mis l'animosité entre toi et ton père. C'est comme si on a durci ton cœur et son cœur. Ce qui fait que tout l'argent qu'il a, il ne fait rien pour toi. Donc l'esprit me montre en fait qu'il est en train de... Ses armes sont en train de se lever et sont en train de venir vers toi. Donc, je vais prier pour vous. Je viens recharger ton cœur. Je recharge ton cœur. Je déclare, je vois aussi beaucoup d'entre vous, votre mère vous a trahi. Tu as beaucoup fait confiance à ta mère quand tu étais petit. Tu ne savais pas que ta mère était utilisée. On la questionnait, on venait, on lui donnait les habits qu'elle te porte. Il y en a même parmi vous, je vois, on vous a amené. On a appris, on a dit à ta mère, viens, je t'amène chez telle personne. Et cette personne, ça doit être une tante. Vous avez fait un long voyage. Tu es arrivé là-bas, ta mère t'a seulement donné, on est parti travailler sur toi. Elle ne connaît même pas ce qu'on est parti faire sur toi. Et on est parti prendre ta puissance. Je vois carrément quelqu'un qui il dépose quelque chose sur toi, ça prend ton pouvoir. Et depuis le jour-là, tu n'es plus en mesure de faire certaines choses. Ça se traduit aussi par à l'école, tu es très... Tu ne comprenais plus bien l'école. Je dirais mal aimé, c'est comme si tu es devenu bête à l'école. Donc, je vais faire l'étude d'énergie après. Vous allez donner vos noms, surtout sur TikTok. Et ta mère était comme une sorte de traître. Sans que tu ne saches. Et je te vois en train de pleurer et de te dire comment est-ce qu'une mère peut faire ça à son enfant. Et ça te donne tellement de douleur. Je vois beaucoup de douleur dans ton cœur. Garde la main sur le cœur. Je restaure ton cœur.
Parce que tu es appelé à aider beaucoup de personnes, mais tu es bloqué. Certains parmi vous, vous êtes à l'aise financièrement, vous ne manquez pas. Mais vous sentez qu'il y a un sommet que vous n'arrivez pas à atteindre. Et parfois dans le rêve, tu te revois encore au village et on te refait encore les mêmes souffrances. Tu es bloqué en fait. Tu te revois dans ton enfance. On t'emmène peut-être chez tel tonton et tu repasses encore les mêmes choses. Tu es sur le banc. Tu as l'impression que tu as échoué. Voilà, il y a Mélodie qui dit qu'on a coupé ses cheveux pour la punir et on a amené ça au Cameroun. Certains parmi vous, quand vous êtes nés, voilà, je vois, ta mère a pris ton nombril par ignorance. Elle a donné et la personne qui a pris était censée travailler bien sur les gens de la famille. Mais cette personne a pris pour aller faire du mal, pour aller voler ton étoile à travers ton nombril. Je vois carrément une mère qui a dû attendre longtemps avant de donner ton, d'arriver au pays et donner ton nombril. Ou même encore vos enfants. Demain, faites une libation. Vous prenez du vin rouge ou du whisky. Vous versez au sol et vous dites toute incantation qui a été faite contre mes enfants en utilisant leur nombril, que ce soit chez les blancs ou chez les noirs. Parce que quand vous partez, quand tu accouches là-bas, tu ne connais pas ce qu'on fait avec le placenta. Tu ne connais pas ce qu'on fait avec. Vous versez ça sur la terre et vous demandez que s'il y a n'importe quoi qu'on a fait, si on a enterré le placenta de ton enfant quelque part et c'est en train de parler, c'est en train de détruire la destinée de ton enfant. Que tu l'en libères, tu le libères de cela. Parce qu'il y a des choses qu'on fait souvent, et quand tu accouches par exemple, même moi quand j'ai accouché en Europe, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ça après. On sort, on te donne seulement l'enfant, tu ne sais pas ce qu'on fait du reste. C'est autant de petites choses. Bon, continuons, on va voir ce que le thé va nous dire d'autre. Bonsoir, si vous venez d'arriver, donnez-moi des fleurs. J'aime les fleurs. Fleurs et thé, ça rime. Fleurs, ça marche ensemble. Ok, quelqu'un m'a dit qu'on faisait le doigt comme ça là. On boit le thé en l'honneur de la reine ce soir. La reine d'Angleterre. Belle diva, good evening. We're going to speak some little English for the queen. We're having some tea. I haven't got biscuits. Thank you, Shasha. I haven't got biscuits, but, non, en fait, but, attends, je vais faire l'accent de Birmingham. I haven't got any biscuits, but I'm going to try my best so we can have some tea tonight. I haven't got any milk in my tea, but that's all right. Ah, lecture de thé. Regardez-moi ça. Vous voyez? Je vais faire une lecture sur ceci. Allez, donnez-moi des cœurs, partagez la vidéo. Voyons ce que l'esprit a à vous dire ce soir. Pour beaucoup d'entre vous, il y a de cela 8 à 10 ans, vous avez reçu des promesses. Tu venais de rejoindre l'église. Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Les promesses qu'il a données à Abraham, il te les a données en fait. Il t'a dit qu'il va te multiplier. Vous voyez beaucoup de gouttelettes, non? Il va te multiplier comme les étoiles. Il va te multiplier. Tu as reçu. Tu as cru. Non, je suis là pour te dire que tu as déjà passé le test qu'il faut. Et tu vas passer de l'arrière-plan à l'avant. Ça, c'est le message de quelqu'un. C'est en train de se faire naturellement. Il y a quelqu'un qui est en train de descendre sur son trône maintenant. Ce trône qui est le tien. Naturellement, il est en train de descendre. Certains même sont en train de démissionner ce soir. D'autres, vous êtes en train de tomber. Vous allez tomber dans les 4 prochains jours sur des business et vous allez avoir l'envie d'investir. J'ai prié pour une dame à Yaoundé. Elle est venue me voir ça fait 2 mois. Elle me dit qu'elle est ménagère, elle a 4 enfants. Et elle me dit, bon, tu sais que ménagère, ça veut dire que tu n'as presque pas d'argent. Je lui ai fait un lavage le jour-là. Elle part. 3 semaines après, je reviens à Yaoundé. Elle vient me voir encore avec ses enfants.
Trois semaines encore, je reviens à Yaoundé, c'est-à-dire la semaine passée. Elle revient me voir. Elle me dit, viens marcher en route comme ça là. Elle a rencontré un monsieur, l'avait venu vers elle. Il lui dit, j'ai une proposition de business pour toi. Elle a pris 3 millions, elle a déposé dedans. C'est un business passif. Elle n'a pas hésité. Le monsieur l'a localisé, elle n'a pas hésité. Et il voyage, il part acheter des choses dans le nord. Il revient, il vend. Elle dit que le monsieur est réglo. Il rentre, il coupe, il donne seulement sa part d'argent. Le reste, il prend quoi? Il repart quoi acheter la marchandise. Je vous connecte à cela. Je déclare que vous tombez dans les 4 jours qui arrivent sur le business, les business d'ailleurs, où vous allez investir. Et je sens beaucoup de flèches. Il y a des personnes qui sont venues dans votre entourage à cause de l'argent qui est en train de venir vers vous. Elles sont attirées par votre succès. Ce sont des personnes qui vous ont rencontré même en ligne. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète? Dieu m'a aussi parlé. Je vais vous raconter l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, vous dites Amen. In Jesus' name, c'est Amen. In Jesus' name, allez, dites Amen. Voilà, vous êtes des bons followers. Let's preach. Il me faut la serviette des prédicateurs. Vous savez que quand ils prêchent, ils ont tous les serviettes comme ça là. Attendez, je vais faire avec mes doigts. Donc, il y avait un prophète. Très puissant. Fraîchement oint. Son onction, c'était l'onction de TikTok. Major, tu ris. Et donc, il était comme Jack Bauer. Ses événements se passaient chez lui entre 16h et 17h. Il était speed. Il arrive chez le roi. Dieu dit, strike the king. He's like, I'm striking you in the name of God. Nya, nya, nya. And then, bang. The whole hand of the king became stiff. La main du roi devient comme ça. Il devient manchot. Le roi dit, hey, comment tu peux faire des choses comme ça? Je m'excuse, Seigneur, fais tout, je vais te donner la moitié de mon royaume. Arrange ma main. Il fait, ha ha! In the name of God, chop! Amen! Dites Amen, Amen! Le prophète le guérit. Le roi dit, waouh! Je n'ai pas encore vu un prophète qui est comme toi. Hey! Allez, venez! Je vais le mettre au chevalier de l'ordre du mérite de Batoufam. Il dit, je ne veux rien. Dieu m'a dit que comme tu montes voir le roi, il te donne la nourriture, tu ne prends pas. Il veut s'asseoir pour manger avec toi, tu refuses. Il dit que, monsieur le roi, I'm sorry, but I got a tea party with Queen Jocelyn. So I gotta go. He's like, cheers, mate. Bye-bye. Il laisse le roi, il part. Entre-temps, il y a un vieux prophète de I-5. Écrivez I-5. Vous vous souvenez de I-5, non? H-I-5, là. Écrivez ça ici. Le prophète de I-5 reste à la maison. Son onction était passée depuis longtemps. Il avait jumbum depuis longtemps. Depuis, vous êtes connectés. TikTok, là, vous êtes connectés. Vous êtes mes gens. Je vais lire vos énergies ce soir, TikTok. Attendez. Facebook, là, vous allez me sentir. Quand j'ai dit d'écrire, vous n'écrivez pas pourquoi. Voilà alors. Il reste celui dans la radio. C'est physique. Papa, il y a un fils sur TikTok, là. Mon frère, là, voici. On monte la vidéo. Le père dit, c'est qui? Ah, écrivez-lui, faites-lui le DM. Il fait le voice. Bonjour, Reine Jocelyne. Voilà, je suis le prophète Makamboukoudou. Je te suis depuis, je suis ton follower, je me suis abonné, tu sais. Et le Seigneur m'a parlé. Tu dois venir manger avec moi. La Reine Jocelyne dit, mais, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Un ange, voilà le prophète Makamdoudou qui dit, prophète High Five, le Seigneur m'a dit.
signe, je vois un ange de l'Éternel qui me dit que tu dois venir chez moi pour manger avec moi. Hein? Et Seigneur, donc je n'entends pas ta voix. Mais hier, j'ai fait 100 000 vues sur TikTok, non. Donc je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Je connais, moi je connais. Je suis le prophète de High Five, je connais. Non, il faut quand même. Elle a dit. Le prophète a dit qu'on est, du même corps, non? Elle a aussi dit. Le prophète a dit à la fin de la phrase qu'au nom de Jésus, amen. Le voilà qui laisse les instructions qu'on lui a données. Il porte ses pieds, il quitte TikTok. Il passe sur High Five. Il s'assoit. On fait encore le tea party. Do you want some tea? Oh, thank you. Oh, that's so nice. Can I have some biscuits? Oh, thank you. On met la musique. Dun, 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 dun. Your place is nice. Oh, thank you, thank you. I bought it in 1994, you know. Pendant qu'ils sont en train de manger, le vrai ange maintenant, parce que le prophète de High Five mentait, il vient, il lui dit que l'ange de l'Éternel est en train de me parler. Comme tu es quitté sur TikTok, tu es parti sur High Five, tu vas mourir. Ton onction va finir. Eh hey, ouais! Il passe sur i5, il écrit Ewe. Il n'y a même pas Ewe sur i5. N'est-ce pas le voilà qui dit Eh. Il fait Ah, c'est une vidéo. Il porte ses pieds. En route pour rentrer, il est parti sur TikTok pour faire ses vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Un lion le voit, il dit TikTok bloque son compte. Le lion le mange. Fin de l'histoire. Quelle est la morale de l'histoire? Dieu te dit, lève-toi, tu fais tes vidéos. Tu mets sur TikTok. Je vais vous montrer comment les gens vont vouloir voler vos tensions. Maman. Je rappelle que je ne suis pas béninoise. Je ne vis pas au Bénin. Donc si vous voyez 229, vous leur écrivez, vous leur donnez votre argent. C'est à vos risques et c'est à vos périls. Ok? Si quelqu'un vous demande l'argent, dites à la personne que la personne vous appelle en direct, je parle. Je vais vous, si c'est moi, je vais vous appeler. Je vais t'appeler comme ça là. Voilà. Béninois, j'étais jeté là-bas avec le sel. Tu es en train de vouloir prendre mes clients. Lave-toi avec le sel, les clients vont venir. Les gens vont venir te chercher. Le voilà encore. Ils vont venir te chercher. Mais je connais tes dons. Ce que je connais le don là, je connais. Mais moi aussi j'ai les dons. Je peux lire ton énergie. Après on fait. Ouh, yo, 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 yo. Sachez que si quelqu'un vient prophétiser sur vous. Que ce soit ce que Dieu t'a déjà dit toi-même. Parce que vous êtes d'abord votre prophète. Choisis, ce sera l'une des caractéristiques dont vous avez besoin. Vous devez connaître vos propres dons. Tu dois rester comme ça. 5 heures, Dieu t'a dit que ma chérie, ne te dérange pas, ça vient. À 12 heures, quelqu'un te dit, ça vient. À 18 heures, tu reçois. Dieu t'annonce. Quelqu'un envoie 71 000. Dieu t'annonce. Je bénis l'offrande qui vient d'arriver. Si c'est une dîme, je la bénis au nom de Jésus. Dieu t'annonce. Je préfère être seul sur mon chemin parce que je suis la voix de Dieu. Parce que je suis le Dieu qui m'a parlé avec TikTok là. Parce que quand Dieu parle sa chose,
C'est en temps réel. Tu vois, tu peux poster la vidéo sur TikTok. Tu fais 2, 3 jours, une semaine, ça ne marche pas. C'est dans 6 mois que ça va marcher. TikTok, c'est du tic au tac. Les compreneurs et les connaisseurs vont comprendre et ils vont connaître. Le Decepticon est dehors. Il va parler votre langage. Il va parler votre langage. Il suit même mes vidéos avec vous. Comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Écrivez là-bas comment, je vais vous dire. Bonsoir, le monsieur du Gabon qui était sur mon direct à ce moment, qui a été de m'écrire. Je vais te répondre après. Mon numéro, c'est le 0741 80080 au Gabon. Comment? Premièrement, la personne va venir. Va faire genre, je suis comme toi. On est les mêmes choses. Ok. Faites comme Kabila. Vous regardez seulement. Deuxièmement, la personne va vouloir te voler la vedette. Naturellement, mon mari m'apprécie. Maintenant, quand la personne arrive peut-être chez toi, ton mari rentre du boulot. On lui dit, oh mon bébé, tu es jolie. Oh mon bébé. Ah, vous êtes tous les deux jolis. C'est mon mari. C'est mon mari. Il a le droit de me dire seulement à moi que je suis jolie. Quand tu seras en présence de la personne, tu auras un sens comme si tu n'as pas le droit de croire que c'est toi, the one. I am the one. Écrivez là-bas, I am the one. C'est un plagiat psychologique. Comment tu peux croire que tu as les pouvoirs? Comment tu peux croire que tu peux guérir les gens avec tes mains? Oui, comment les reconnaître? C'est ça que... Ils ont rien de décrit. Je ne peux pas mettre deux doigts. Deux doigts, ça fait trop bizarre. Oh. Deux doigts, c'est pour les petites tasses. La tasse est très lourde. Donc, c'est ça que j'arrive à faire comme ça. Bonsoir, assiste-toi. Je vais t'envoyer ta vidéo tout à l'heure. Vous voyez Neo, non, dans Matrix. Il y avait un Neo. Tu es ton Neo. Accepte. La personne, et la personne va venir vouloir frotter ses croyances sur ta part. Oh, chacun a son compas, sa boussole dans lui. Bonsoir ma chérie, je regarde souvent tes vidéos. Maëlia de la Lune, bonsoir. J'ai mon compas dans moi. Ne croyez pas que quand vous me voyez à la télé, ça, vous allez m'approcher, vous allez... Tu peux même venir me voir, je n'ai même pas ton temps. Comme je suis en train de parler ici, je suis plus connecté à l'univers. La personne va venir jouer aussi sur tes émotions. C'est pour ça que vous devez être très fermé émotionnellement. Qu'on ne puisse pas manipuler tes émotions. I'm the one. Plus je crois, plus je monte. Ceux qui se sentent aussi de one vont venir. Ils vont venir. On va faire la fête des one. Je m'insiste de one, de one, de one, de one, de one. On fait la fête des. Mais c'est comment? Alicia, tu ne me forces pas pour le bonsoir. Now waiting, mamie. Now waiting, I did drink my tea. Hein? You know if you respect. You feel say bon appétit. Hein?
Bonsoir, monsieur le courtois qui est nouveau. Vous demandez tout ce que je bois, non? J'ai les choses, j'ai les concoctions. L'eau chaude ou le thé est très très bon pour la santé. Les numéros 00237 680 71 0701 pour avoir les consultations, pour acheter des produits, peu importe. Oui, sur TikTok, ils ne l'ont pas. Et ces gens vont... Tu vois, parfois, quand tu écoutes quelque chose, ça résonne tellement que tu as envie de dire... Hey! Tu vois, tu as besoin de quelqu'un qui va agree avec toi. Écoute, ma chérie, tu as tes deux mains. Deux mains peuvent applaudir, non? Applaudis toi-même, toi seule. Ma copine Jocelyne. Parce qu'il y a un degré où tu ne peux pas laisser quelqu'un entrer dedans. You know, fille, même pas ton mari, même pas ta femme. C'est là-bas que tu conçois. C'est là-bas que ton futur naît. C'est la salle de fécondation. Oui, on n'accouche pas encore, mais on conçoit. Et quand tu thank you, I love your energy too. Quand tu conçois quelqu'un qui est boiteux, l'enfant qui va sortir dans 9 mois sera boiteux. Ouais, je suis en train de lancer le business. C'est quand tu penses au business que tu vas lancer. Oui, mais on peut. Non, tu vois, je n'ai même pas l'argent. Bon, on peut mettre seulement 2000 euros dedans. À la conception, tu peux penser à faire un business de 20 000 euros. Mais supposons que tu es avec quelqu'un en hauteur de toi, que son sperme ne part pas loin. Ou déjà avec les petites faiblesses spermales, ou c'est spermie. Je ne sais même pas. Ce que c'est seulement que le sperme là ne part pas loin. C'est le sperme de 2000 euros. Être fécondé à 50 000 euros. Je parle tellement en parabole que si quelqu'un n'est pas un peu deep, il ne peut pas me comprendre. Il va arriver, il va se dire, elle parle même de quoi? Il va seulement passer. Oui, TikTok, je fais ça exprès. Le numéro du Cameroun, c'est le 00237 680 71 07 01 680 71 07 01. Tu as un œuf qui veut être fécondé à 100 000 euros. 70 millions de francs CFA. Quelqu'un, il y avait un petit sperme de 200 000 là. Il veut mettre pour te féconder. Gars. Ah. T'en donne pas. Il n'a des waka. Votre laboratoire. Aïe. Parce que ce que tu conçois, tu peux avoir. Ce que tu conçois, tu peux devenir. Donc, ils vont venir pour s'insérer dans ta salle d'insémination. Non, mais pourquoi tu te casses? Tu n'as pas besoin du sperme de 100 000 euros. Prends un petit sperme de 500 euros, non. Tu fais vite. Wassa, wassa, là. 2 mois plus tard, on voit un petit business qui te donne 1 000 euros le mois. Parce que tu es parti choisir le sperme qui donnait, le petit sperme de 500 euros. Soyez très vigilant. Non, mais je connais aussi, non? Non, mais tu suis la reine Jocelyne. Écoutez, que ne vous drague pas sur ma page. Que quelqu'un ne vous drague pas parce qu'il me suit. Oh non, si je l'ai vu sur la page. J'ai le Decepticon sur ma page. Oh non, si je l'ai vu sur la page, si elle, il est venu à un de ses ateliers, non mais ça c'est sûr, non, il est dedans. Hein? Tu vas lire, tu vas confirmer. Dès que tu as le premier signe, fuis. N'essaye même pas. C'est comme ça qu'on tue vos rêves. C'est comme ça qu'on tue vos rêves.
Tu es en âge adulte, tu viens de tomber sur mes vidéos. Tu commences. Les spermatozoïdes, tu connais. Hey! Vous allez me finir avec les mots ici. Les spermatozoïdes, tu connais. Ok. Tu viens de commencer à écouter là. Tu commences à écouter les vidéos. Chaque jour, tu es là, tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Ton esprit commence à se réveiller. Attends. Donc, je suis unique. C'est pour ça que depuis dans ma famille, je me sentais toujours bizarre. C'est pour ça que ma mère me rejetait toujours. C'est pour ça que quand on se retrouve à Noël, ils ne me comprennent pas. En fait, je suis unique. Ma famille, c'était seulement mon portail d'entrée sur la terre. La porte par laquelle je suis entrée. On peut entrer par la porte d'un supermarché. Mais il y a 50 000 magasins dans le marché. Et ils ne vendent pas les mêmes articles. Ok, comme on est entré par la même porte, ça veut dire que non. 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 Si quelqu'un m'écoute, il ne comprend pas de quoi je parle. Depuis 2 minutes, c'est que c'est trop fort pour lui. C'est que peut-être tu es un décepticon. Parce que depuis que tu m'écoutes là, j'ai une ménagère qui m'a écrit, elle me dit, maman, mon salaire normal c'est 50 000. Elle dit que le mois passé, elle a payé la dîme, elle a donné 5 000 de dîme. 2-3 jours plus tard, un de ses dragueurs est venu donner 50 000 cash. Elle dit qu'elle n'en revenait pas. Elle n'avait jamais vu ça dans sa vie. Elle dit que pour la première fois de sa vie, voilà la dîme qu'elle a été payée, le double de son salaire en un mois. Elle dit que ma chérie, c'est parce que ton esprit a osé croire. Tu as osé. Tu as osé croire que, ok, vous m'avez vu comme une ménagère depuis. Moi, I am not. Et le tout, si, n'essaie pas de dire aux gens que tu agis seulement. Mais elle n'est pas venue au boulot aujourd'hui. Elle a dit qu'elle partait créer son entreprise. Hein? Ok. Eh. Oui. Oui. Te voilà. Chef d'entreprise dans une journée. Tu bosses. Tu t'habilles. Tu n'as pas encore vu le monsieur, le gars qui vend les arachides à Douala là. Il vend les arachides avec la veste. Il porte sur sa tête comme ça, il est en bien en veste. Tu achètes, il fait avec le reçu. Ou ça doit là, ou ça Yaoundé, entre les deux villes. Vous devez comprendre que ces personnes ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. Et ces personnes puisent dans votre énergie. Ah, comme je parle avec elle, comme j'écris, elle me répond là. Comme souvent, elle me parle au téléphone là. Ça veut dire qu'on a la même chose. Non. I am the blessing. Je suis la bénédiction. Pas que j'ai la bénédiction ou je suis béni. Je suis la bénédiction. Tu me touches, tu es béni. Je dépose sur toi, bam, tu es béni. Écrivez là-bas que je suis la bénédiction. Je ne sais pas que ta famille est bénie à cause de toi depuis. Tu ne sais pas. La réunion familiale a marché l'année, c'est à cause de toi. On va venir, on va te faire douter de toi. Non, tu sais. Tu. Écoutez, même mélanger ton énergie, no try again. Est-ce que vous manquez les choses à regarder? Mettez mes vidéos, regardez. Enferme-toi avec tes enfants. Quand vous rentrez le soir, vous êtes à la maison. No visitam, you no go visiter me, I no go visiter you. You no go call me, I no go call you.
You're not calling me, I'm not calling you. Yeah. Et le jour où j'ai besoin de toi, si on a dit quelque part que si elle ne passe pas par toi, c'est que je vais, ok, laisse alors, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a souvent qui nous attendent, que je t'attends. Hein? Il y a des trucs que tu ne peux pas faire sans moi. Ouh. Ouh. La reine Jocelyne m'a montré comment contourner ces choses. Parce qu'ils vous ont fait, les petites paroles qu'ils vous ont dit là, ça vous a bloqué mentalement depuis. Hey, c'est peut-être que mes choses ne marchent pas ici en Belgique parce que, hey, oui, ma tante elle m'avait dit ça. Peut-être que c'est elle. Hey, pardon, excusez, mouf. En fait, le mouf qu'on dit là, hein, mouf, ça veut dire mouf. Mouf. Que vous m'attendez parce qu'il y a des gens comme ça dans votre famille, n'est-ce pas? Ça, on va passer par moi pour payer ça d'autre. Non, en fait, tu auras tellement d'argent que quand tu vas venir pour payer, ils seront ça parce qu'ils croyaient qu'elle allait bloquer ton mari avec la liste. Il sort la liste de ton mari, triple ça, il vient taper ça devant lui. Hé, mon fils. Ils croient qu'ils détiennent vos vies. Quand vous regardez les films des super-héros, là, on a fait les films des super-héros pour vous. C'est pour que tu comprennes qui tu es. C'est dans toi, c'est dans ton, ça coule dans tes veines. C'est dans toi. Mais peut-être que je ne conçois pas depuis parce que... Hey, peut-être que je ne me marie pas depuis comme ça parce que... Écoute. I am. Mettez la main ici là. Dis que I am. Je suis. Vos enfants vont vous regarder que maman... Pourquoi maman fait ça? N'ayez pas honte. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Mais maman, qu'est-ce qu'elle dit? Mais maman, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Oui. Les enfants ne savent pas que je suis en train de vous sortir d'un trou où on vous a mis depuis 10 ans, depuis 25 ans. Pourquoi tu crois que tes tantes au village ne peuvent rien contre toi? Que la femme de ton père, là, elle est petite. Si elle pouvait quelque chose, c'est que tu es morte. Si elle pouvait, c'est que tu es morte. On extermine normalement les gens qui sont insignifiants. Tu es encore là comme bien. Je suis là pour t'annoncer que les mois qui arrivent, le jour que tu vas voir ton argent va grimper. Parce que tu commences à avoir confiance. Tu commences à avoir confiance en ce que l'esprit te dit. L'esprit te dit, bouge, va comme ça, tu pars. L'esprit te dit, achète ça, tu revends. Ce soir, tu es déjà en train d'acheter. Tu as commandé déjà sur AliExpress ce soir. La douane veut bloquer. Chandala kasokota. Les kotorobo santé. Pap, offrande. Pap, tu verses au sol. Libérez ma marchandise. Oh, madame, nous sommes désolés. On croyait que c'était un autre contenu, mais prenez votre marchandise. Deux, voilà, tu commences à vendre. Deux semaines, tu t'es fait 2000 euros de bénéfices. Alors que tu viens de commencer. Je prophétise que tout business que vous allez commencer dans ce mois de septembre, tout business qui était mort depuis enterré, je le fais revenir à la vie au nom de Jésus. Tout endroit où vous avez déposé, on a fermé la clé, on a fermé la porte à clé.
Tu as ouvert ton magasin là depuis, il y a les produits dedans. Il y a les produits dans ton magasin depuis. Tu ne comprends pas. Comment tu n'as pas encore ouvert depuis? Mais faites attention. Ils sont dans mon direct avec vous. Vos décepticons sont sur ma page. Ils vous regardent en train de me regarder. Et elle connaît déjà, elle comprend déjà. Et c'est le coup de la fille là, ça veut dire que. Et elle connaît déjà. Oh là là. Oui. La prochaine fois que tu vas aller, tu vas les saluer, tu vas regarder les yeux. Que je connais ce que tu as fait, tonton. Hey! Oui. Tonton, je connais ce que tu as fait. J'ai détaché mon stock moi-même. J'ai libéré ma marchandise. Toute marchandise que vous avez qui est encore bloquée. Le vendeur a pris votre argent. Il ne veut pas vous envoyer la marchandise depuis. Prononcez son nom ou bien le numéro de téléphone. Je ne sais pas. Prononcez maintenant. J'envoie l'ange Michael qui le localise. Je déclare que dans 3 jours maximum, ils vous répondent. Soit ils vous remboursent, soit ils vous envoient votre marchandise au nom de Jésus. Tout obstacle à ce business que vous voulez lancer depuis longtemps, je viens enlever ces obstacles maintenant. Toute montagne qui est sur votre chemin, je parle à la montagne, bouge-toi et va te jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez prendre l'eau. Vous allez mettre 3 pincées de sel sur ça. Vous allez lire le psaume 35. 3 fois. Entièrement. Vous allez prendre l'eau, la tourner. Vous allez asperger votre marchandise. Si bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui s'abîme avec de. Supposons si c'est les livres, n'asperge pas parce que ça va abîmer la couverture des livres. Soit tu encercles juste. Tu verses l'eau autour de la marchandise. Tu parles à cette marchandise que je te commande d'être vendue. Vous prenez vos téléphones. Vos pages pour vendre vos produits là que vous faites, on ne vous voit pas là. De la même façon que mon direct est en train d'être vu. J'ouvre. Vous prenez la même eau là, sur laquelle vous avez fait le psaume 35. Vous prenez avec 3 doigts. Vous faites 3 fois le signe de croix. Sur votre tête. Vous dites, j'active ma visibilité. Toute personne qui allait comploter, qui a fait des incantations contre vous, même si la personne avait raison, je déclare le jugement et la miséricorde divine. Parce que Jésus a déjà payé pour toi. Pour te libérer. Tout arbre maléfique au village, tout baobab sur lequel on est parti attaché, où on a cloué ton habit, que tu ne vas jamais avancer. Je viens détruire, je commande cet habit de brûler au nom de Jésus. Toute chaîne qu'on a mise sur votre pied, on a dit que tu vas seulement avancer jusqu'à un certain niveau. Dès que ton compte bancaire arrive à 4000 euros, bam! Tu reviens à moins 20, moins 500 euros, moins 400 euros. Tout découvert financier qui a été jeté sur vous, qui fait que tu es toujours dans les dettes. Tu vends 10 millions, tu rembourses 15 millions de dettes. Je déclare que ces dettes vous sont pardonnées, même au nom de Jésus. Toute honte qu'on a mise sur vous, je vois beaucoup d'entre vous, ces personnes savaient que votre business allait marcher. Ils sont allés vous couvrir de honte dans le spirituel. Te voilà maintenant. On t'a demandé que mais tu lances le truc là quand? Quand? Toute honte, toute question qu'on vous pose, vous n'arrivez pas à répondre, vous mâchez les mots. Je viens vous sortir de ces hontes. Les appels incessants que vos banquiers font pour dire, oh madame, on va vous placer dans la liste rouge, la liste noire, la liste ceci. Oh. Je nettoie votre nom. Est-ce que vous savez que l'esprit d'endettement, c'est un esprit? J'augmente vos finances au nom de Jésus. J'augmente vos finances au nom de Jésus. J'augmente vos finances au nom de Jésus. J'appelle vos clients. S'il y avait une idée dont vous manquiez pour pouvoir monétiser à l'échelle planétaire votre business, je déclare que vous recevez cette idée dans les 7 jours qui arrivent.
Vous allez tomber sur une vidéo en ligne qui va vous donner le secret. Même si c'est une idée que quelqu'un va venir vous souffler. Recevez. De la même façon qu'on entend parler d'Amazon dans les quatre coins de la terre. On va parler de votre système, de votre business. Au nom de Jésus. Toute personne qui a été envoyée pour vous décourager. Vous savez le nombre de personnes qui m'ont découragé sur la page ici. Je commence quelque chose. Non, laisse ça, tu viens travailler avec moi. Laisse, tu viens travailler avec moi. J'ai quelqu'un comme ça qui m'a acquis SMF, ça fait 3 ans. Tu vois, quand il m'appelle, laisse, c'était à dire que tout que tu fais sur Facebook là, ça n'a pas donné. Hein? 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 Ça ne va pas donner. Un jour, quand il venait encore essayer, je lui dis que ton salaire que tu me proposais, ça. Donc, tu te rappelles ton salaire là, non? Mensuel. Oui, c'est ce que je gagne par heure. Il dit, hein? Non, tu dois me dire ce que tu as fait. J'ai dit, bye. 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 Toute personne qui vous avait sous-estimé. Qui vous avait sous-estimé. Oh, 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 oh. Sous-estimé, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Écrivez ici là, oh, oh, oh. On va voir. 3 fois, oh. Sous-estimé, oh, sous-estimé. Ah, elle là, chaque année, elle essaye. Pardon. Pardon, tout, Jocelyne, pardon, passez à autre chose. Next. On voit seulement tu gardes la voiture. Un jour, j'ai un ancien dragueur là qui m'a recontacté. Ouais, 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 il faut finir. Je vais payer ton taxi. J'ai dit que... Oh, hey, hey, ah, ah. Avant, quand tu faisais qu'il allait payer ton taxi. Oui, papa. Hmm? Quoi? Reine de luxe ou bien? Non, 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 pas du tout. De ma reine de luxe, merci beaucoup. Le chat qu'on t'avait, ah, je vais te... Quand il te dit encore ça, tu dis que non. J'envoie mon chauffeur te chercher, dis-moi là où tu es. Isa, tu le rappelles. Donne-moi ta position, j'envoie mon chauffeur te chercher. Ah. Ils vont venir vous tester. Tu vois comme avant, quand, par exemple, c'est qu'il a donné, il va te dire, prends le dépôt. Et le dépôt, c'est 2000. Tu arrives, il te donne 5000. Comme si c'est qu'il t'a donné 3000 au-dessus. Une fille n'a pas fait ça ici, qu'elle me dise. Maintenant, tu fais semblant comme si tu as pris le dépôt, mais en fait, tu as pris le taxi à 300. Donc, quand il te donne les 5 000, tu sais que tu as profité 4 700. Les gens de l'Europe ne veulent pas bien comprendre. Oh, Seigneur, quand tu as sous-estimé, c'est un pas bon. You know good. You know good. Et quand tu arrives, il voit, tu as la sueur sur toi. Ouais, Seigneur. Il y a la sueur sur toi. L'une des premières choses que j'ai achetées dans mon local à Douala, vous savez, c'était quoi? La clim. Et je me rappelle ma première clim que j'avais achetée. J'avais un Decepticon qui était venu, il m'avait fait le chantage. Il dit que ouais, je vais aménager ton local, je mets tout ce que tu veux. Tu vois, quand tu demandes l'argent à quelqu'un, mais tu as un peu peur, tu ne sais pas. Tu vois, bro. Il dit que bon, je veux la clim. Mais j'ai vu la clim seconde main. Hein. Ne t'inquiète pas, je veux la seconde main. Oui, c'est 180 000. 2,5 là, c'était combien là? 180 000, c'est 1,59. Je crois qu'il m'a valu ça 150 000. Oui, souvent quand tu arrives à le taxi, il sort lui-même pour payer le taxi, man. Et le Seigneur m'a dit, tu sais quoi? Coupe. J'ai coupé.
en moins de 2 mois. J'ai acheté les crèmes de presser 500 000 pour mettre dans mes deux endroits là. J'ai mis une grosse télé. J'ai aménagé l'endroit. Tu vois, le genre qu'un jour la personne t'appelle en vidéo là. Parce qu'il est sûr que tu es dans ton pauvre endroit là. Tu te vois, attends un peu, tu déposes là-bas le téléphone sur le trépied. Pom. Tu as entendu parler, tu regardes un peu quelque chose. Et tu regardes quoi? Tu dis, je suis en train de travailler sur mon écran. L'argent est bien. Entrer dans sa destinée, hein, c'est sucré. Parce qu'il y a les gens. Il y a les gens qui sont moqués de vous. On t'a pris pour la pièce de 5 ans. Pas le gros 5 ans, le petit 5 ans là. Tu vois le petit 5 ans comme ça, non? Qui peut se perdre, tu confonds avec 5 francs là. On t'a pris pour ça. Je m'excuse pour les blancs là. Je parle un peu avec les thèmes africains pour l'instant, mais je vais revenir, je vais commencer à parler comme les blancs pour vous. Il dit, hey, pourquoi tu es clair comme ça? Non, non, j'ai le ring light. Tu vois, quand je découche, je me appelle. Hey, elle a acheté le ring light. Hey. D'accord. Les gens vous ont sous-estimé. Je peux vous dire, parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Quelqu'un te contacte, il sait que tu vis sous l'argent de la CAF. Donc, chaque mois, tu attends. D'accord, tu payes le loyer. Tu payes. Il arrive, ouais, je vais te payer le ticket de train pour que tu viennes me trouver à Paris. Ouais. Il va te payer l'hôtel. 150€ la nuit, 200€ la nuit. En rentrant, il te donne 50€. Vous dépensez en un week-end 2000€. Comme ça. Maëlie, tu comprends un peu. Tu vous dépenses, tu regardes comme ça. Que bé, ma greffe. Non, je vais voir plus tard. Il ne sait pas que la brésilienne qui a sur ta tête, c'est 250€. On s'est toujours moqué de vous. Je vous dis. On a seulement que, mais. Depuis la. C'est la rentrée. Elle n'a pas encore appelé pour demander. Pour faire comme si elle voulait de nos nouvelles. Parce qu'elle veut qu'on paye un peu. On donne même 50 000 pour la rentrée de ses enfants. Hein. Tu n'as appelé personne. Voilà alors quand ça commence à changer de camp. Petit 50, tu connais. Tu les appelles, tu dis. Tata, ton nom sur ton numéro orange, ton nom c'est bien. Photo Jeanne. Elle dit oui, ma fille. Oui, tata, je t'ai fait un dépôt de 50 000 là. Tu sais, c'est seulement pour que tu achètes peut-être la bière, tu vois. Ha! Elle va voir l'AVC. Tu vas entendre qu'elle est à l'hôpital. Les 50 000 en fait, ça va vous payer son hôpital. Hey! Elle veut nous montrer qu'elle a l'argent. Non. Non. Wow, oh, oh, oh. Oh, Jésus a dit que la pierre qu'on avait rejetée, on t'avait pris. Ah, elle là. Pardon, j'étais là-bas, oui. Papou, pardon. Appelle un peu ton frère aux États-Unis, là, il va nous envoyer l'argent. Bonsoir, Hippolyte, depuis Dubaï, là. La pierre qui a été rejetée. C'est maintenant toi qui décides des dates des réunions familiales. Tata, oui, on voulait seulement te demander. Oh, tu vois comment c'est que tu voyages beaucoup, non? Tu vas, est-ce que là, on va, voilà les trois dates. Qu'est-ce qui t'arrange? Dis-le. L'argent est sucré. Je suis là pour vous annoncer que vous entrez dans l'argent. Vous me suivez? On demande que c'est qui vous a dit parce que c'est votre reine. C'est moi qui vous dis. Voilà quelqu'un qui me dit que son visa est sorti. Yes! Je bénis ton visa au nom de Jésus. Toute personne qui s'était assise sur ton visa là, pour que ça ne marche pas. Je débloque ce visa au nom de Jésus. Pendant que je parle, on t'envoie la photo de ton visa. Amen. Oh, l'insolence. En fait, tu n'es même pas insolent volontairement. Tu arrives à un niveau où tu as même oublié d'aller les snober. Elle va même nous montrer quoi. En fait,
Je ne vous calculais même pas. Vous n'étiez même pas dans mes pensées. Je vivais seulement ma vie. Je faisais mes choses. Recevez. Recevez vos visas. Recevez vos nouvelles dimensions d'argent. Tout business qui était bloqué depuis là. Je déclare que l'ange Michael va vous visiter cette nuit. J'ouvre cette pièce où il y a votre trésor qui était bloqué depuis longtemps. Toute limitation, tout ce que vous avez limité dans votre pays depuis longtemps. Pourquoi vous ne sortiez pas? Pourquoi vous ne sortiez pas? Je vous ouvre les portes cette nuit au nom de Jésus. Vous allez recevoir, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire la procédure pour que vous voyagez. Mais attends, ça fait 6 ans qu'elle avait fait mes papiers. Mais c'est facile, ma chérie. Donne-moi ton passeport demain. Voilà ça, tonton. Bon, ça va. Quand je vais finir tout ça, je t'appelle le jour par l'ambassade. 3 jours plus tard. Oui, trouve-moi avec 90 000 là pour les frais de visa. Mais tonton, je t'avais dit que c'était facile, non? 5 jours plus tard, voilà le visa dans ton passeport. Il fallait que le mot sorte. Il fallait que le mot sorte. Psaume 105, je veux que vous méditiez là-dessus. Le psaume 105, parce que le Seigneur m'a envoyé pour vous déchaîner ce soir. Je suis là pour vous libérer les chaînes. Et quand Dieu fait quelque chose, il donne toujours la parole. Il donne toujours la parole. Il te dit. Psaume 105, verset 15. Ça, c'est ta parole ce soir. Je vais mettre ton nom sur ça. Quand il dit, moi, que je reçois, tu mets ton nom. Ne touchez pas à mes ongles. Je suis ongle de l'Éternel. Ne touchez pas à Jocelyne. Mettez votre nom. Et ne faites pas de mal à Jocelyne. Vous ne savez pas que vous êtes protégé. En fait, on peut te prendre, on t'amène en Dokoti, on te met en cellule. Tu restes en cellule, tu pleures. Je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas d'avocat. Quand on te voit, il dit, mais attends un peu. Mais, tu n'es pas Jocelyne là? Oui, mais c'est moi. Tu ne sais pas que tu peux pas. La prison là, c'est pas pour toi. Tu ne sais pas ça. Mais voilà ça. Personne ne peut te toucher. David, Rosette, Gabani, Thierry, Nibel, Linda, Elisabeth, Léa, Gabriel, Sia, Abiba, on ne peut pas te toucher. Ouais. Ils vont essayer. Wawa Choupé, on ne peut pas te toucher. Quatre blondes, on ne peut pas te toucher. Sonia, Jennifer, Daisy, Mariama, Elvie, Nibel, Josiane, Mireille, Alice, Jeannette, Alima, Emmanuel, Oye, Jonathan, Marie, on ne peut pas te toucher. Yahoo, on ne peut pas. Caroline, Christelle, Amanda, Régie, Mélodie, Loveline, Hermine, Rosette, Aurore, on ne peut pas te toucher. Ta protection est activée par ta conscience. Tu as déjà vu quand un policier va arrêter quelqu'un qui connaît ses droits. J'étais en France. J'ai vu comment on fait les arrestations souvent. Ouais, Mark Spencer. Ouais. Monsieur, venez ici là. Allez, vous êtes dans les états d'arrestation. On te pousse comme ça là. Une autre personne vient. Lisez-moi mes droits. Attendez, je vais chercher mon sac. Ou bien, il connaît ses droits. Ok. Tu vois, il marche normalement, calmement. Il part dans la voiture. Le policier, là, c'est qu'il ne peut pas s'amuser. Il le traite un peu, genre, comme ça, là. Voilà, vous m'avez gratiné pendant que vous êtes en train de m'arrêter, non? Voilà, et gratinue. Je porte plainte contre vous maintenant. Faites ce que vous avez. Dès que vous finissez, je porte plainte contre vous maintenant. Il y a une personne qui connaît cette joie. Et l'autre ne connaissait pas. Les policiers font ça, alors c'est grave. Ils vont même te faire des dommages psychologiques. Quand on te questionne, mamie, dis que c'est toi. Allez, dis ce que j'ai fait. Oh! Hey! Quand tu sors de là, mais ils n'ont pas le droit de te faire ça.
Tu ne savais pas. Psaume 105, verset 17. Vous avez été envoyé. Il envoya devant eux un homme. Dieu vous a envoyé devant. Vous avez d'abord souffert. Regardez comment Dieu fonctionne. D'abord la souffrance. Tu étais envoyé comme le précurseur, comme la torche, comme l'éclaireur. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme un esclave. Tu sais que tu étais comme l'esclave de ta famille. Tu sais. On a serré tes pieds dans des liens. On a mis le fer. On t'a mis du fer. On le mit au fer. Beaucoup d'entre vous vous êtes retrouvés. Donc, quand tu t'es éveillé spirituellement, tu étais sous les chaînes. Écoutez bien. Parce que vu que dans ton rêve, cette nuit, quand elle veut venir te tirer là, tu dis, ah, elle a dit, elle est venue. Après, demain, tu vois comment tes choses commencent à avancer. Tac, tout va là dans l'avion dans 2 jours. Tac, tes choses commencent. Tac, 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 tac. Écrivez-moi tac, c'est là, s'il vous plaît. Yeah, je dirais, s'il me plaît, ça a le goût, mon frère. Hey, Queen Elizabeth, on boit encore ta santé. Peut-être c'est parce que j'ai appelé son nom que ça a le goût. Écrivez tac. Yes, ça a le goût. Je veux que vous croyiez, parce que je sais, il y a des gens qui sont en Europe aujourd'hui, que ça fait 3 mois, ils sont encore au Cameroun. Il y a des gens qui ont eu des promotions, des gens qui se sont mariés, des gens qui ont conçu. C'est à vous de déterminer ce que pour vous sera. Gaël, tu viens dire tac, tu dis tac quoi? Si tu dis tac, on tire sur toi, tu meurs. Tu vas dire que tu dis. Tu entends quelque part, tu dis que dis tac, tout le monde dit tac, tu dis aussi tac. Hein? Écoutez, l'impression que tu avais, que tu essaies tout, ça ne marche pas. Littéralement, il y a des gens qui sont allés t'enchaîner. Il y a des gens qui passent leur temps à visser ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce que tu l'as fait. Tu ne sais pas. Voilà ce qui se passe. Regardez maintenant la suite du film. Le film. Verset 19, Psaume 105. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Dieu a déjà dit. Ton bébé dit tac. Dieu a déjà annoncé quelque chose par rapport à toi. Et le temps, je suis là pour vous annoncer ce soir que le temps est là. J'ai dit quoi? Le temps est. Écoutez, le temps est. Ma chérie, tu vas chercher même la chute là, tu ne vas plus voir. Parce que je suis en train de te délivrer dans ton âme. Donc, le fin fond de tes rêves, là où tu voyais, tu avais ton argent, venait tout voler dans les rêves là. Donc, écoutez, même dans le rêve, le rêve du cauchemar, je ne peux pas me voir pauvre. Quand mon temps est arrivé, moi, je l'ai tapé dans le rêve. Hein. Moi, fumité. Si on voit ce moment avec les riches, laisse-ci, laisse. Parce que j'avais compris. J'avais enclenché. J'avais déclenché un processus. Verset 19, Psaume 105. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ce n'est pas. Je suis là pour vous dire la parole. Oh, Shakariyabasontorobash. Attendez, je vais avancer. Je vais vous montrer comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que je vous ai dit que si on vous donne une prophétie, que ça ne correspond pas avec ce que Dieu vous a dit, vous devez rapidement oublier et refuser. Refuser. On va aller à Luc chapitre 4. Je vais vous montrer comment Jésus a activé sa vie. Vous ne connaissez pas les secrets dans la Bible. Luc 4.
Luc 4, verset 18. Jésus vivait sa vie normale, enchaîné aussi. Il attendait. Tariq avait chanté le temps, Jésus chantait aussi que le temps, il attendait le temps. Regardez bien. Il part ce jour-là, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra, Luc 4, verset 16 d'abord. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour lire. Il lisait souvent. Mais le jour-là, la lecture-là, c'était qu'un jar. Parce que son temps était arrivé. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit dont Jésus a localisé sa parole. Écoutez, vous êtes votre Jésus ce soir. Vous êtes arrivé, vous allez vous déclencher vous-même dans votre chambre. Voilà Jésus qui se met devant tout le monde. Et on savait que le passage ici, c'était pour le choisi. Celui qui allait venir délivrer la famille, délivrer le peuple. C'est lui qu'on attendait. Voilà Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Justine. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvre, c'est fini. Vous n'avez plus souffrir. Recevez votre liberté maintenant. Recevez la richesse. Voilà ça dans la Bible. Pauvreté, don't finish today. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toutes tes douleurs, là, tes déceptions amoureuses, là, c'est fini. C'est en train de ton corps chauffer. Tu es en train d'être activé. Parce que vous pensez souvent que quelqu'un fait mes choses. Moi, je fais mes choses. Je suis Jack Bauer. Mes événements se passent en temps réel. Si vous mettez un microscope sur toi, c'est que tu allais voir. Mes événements se passent en temps réel. Parle comme ça, là, ils sont dans votre coin en train de travailler. Vos déceptions, ils sont en train de les toucher. Je vous dis que je sais ce qui va se passer dans vos vies. Et parfois, c'est même bien quand quelqu'un sort de ta vie. Cœur brisé, c'est fini. Pour proclamer aux captifs la délivrance, je vous annonce que vous êtes libre. Je vous annonce que vous êtes libre. Tu ne vas plus dépendre de ton gars financièrement. Tu ne vas plus dépendre de ton ex là qui vient soit de temps en temps. Tu ne vas plus dépendre du père de tes enfants qui vient te faire le chantage chaque fois. On te donne l'argent de la rentrée des enfants qu'à l'hôtel. Tu sais, le bon vieux temps, non. Tu sais, chantage. Chantage. Celles qui connaissent vont rire. Riez seulement, ne dites rien. Riez seulement. C'est tout. Vous connaissez. Tu as dit 50 fois que tu arrêtes avec le gars. Te voilà encore. Oh, j'arrête. Il me traite comme ça là. Hein? Voilà. Il est marié. Mais il veut toujours m'utiliser. Voilà. J'arrête. Deux jours plus tard, il t'appelle. Si tu ne pas, qui va payer ton loyer? J'ai dit que. Ce soir, tu es délivré de ça. Je t'informe. Tu ne vas même plus dire que c'est fini avec lui. Tu vas seulement voir que tu n'es plus intéressé. Il t'écrit même, ça te dirait. Il t'écrit après 4 jours. Ah, c'est une vidéo. Tu n'as même plus l'envie de répondre. C'est parti. Vous ne savez pas que ce sont des prisons spirituelles. Vous ne savez pas. Hein? Attendez. Je suis là pour déclarer aux aveugles le recouvrement de la vue. Tout ce qu'on avait fait pour bloquer ta vision. La femme, si. Waouh. Elle a tellement de talent. Tu ne vois pas d'issue. Tu te sens bloqué. Les gens voient les dons en toi. Toi, tu ne vois pas. Les gens voient tes dons. On t'envie. Toi, tu ne vois pas. Fred, merci. J'ai de beaux yeux. Merci. Mon mari trouve aussi que j'ai de beaux yeux. C'est gentil. Ha!
quelqu'un va te voir sur TikTok et dit waouh, tu seras une star, waouh. Toi, tes yeux sont fermés. Ah, quoi même? N'est pas seulement ça, c'est seulement moi. Quand tu prépares, les gens goûtent, mamie. Waouh, c'est bon. Yay. Est-ce que tu sais que tu ne prépares bien? Ah, n'est pas seulement la nourriture, si. J'ai mélangé seulement les deux trucs, si comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, ça donne. Écoute, tu vas maintenant, à partir de ce soir, tu vas voir ce que les gens voient. Hey, ma chérie, merci beaucoup, ma chérie, je suis très jolie, merci, c'est gentil. Donc, tu veux maintenant ouvrir que le restaurant 5 étoiles, tu n'es même pas parti à l'école. Non, je vais ouvrir le 5 étoiles africain. Je vais ouvrir le 5 étoiles africain. Oui. Les ministres du Gabon vont venir. Oui. Je me vois, je me crois. Écoutez. Et pour envoyer libre les opprimés. Quand Jésus lit, quand la partie vous dit pour publier une année de grâce du Seigneur, dans chez les Juifs à l'époque, quand tu faisais 7 ans, et je ne veux pas vous mentir, ils étaient très généreux. Quand peut-être on venait labourer, on récoltait, on moissonnait, pardon, on récoltait. Quand on récoltait le blé ou tout ce qui tombait dans le champ, on laissait. Quand quelqu'un te devait de l'argent, après 7 ans, la 7e année, tu annules. Ça, c'est parce que les Juifs avaient compris qu'il y a les choses que tu ne veux pas porter sur toi. Oh, lui, il me doit, libère. Donc, quand le Seigneur dit ici là que pour publier une année de grâce du Seigneur, ça veut dire que même les dettes sont annulées. Soit tu vas recevoir l'argent en coup comme ça, là, pap, pour payer. Soit la personne d'abord dit, bon, remets-moi seulement 50%, tu laisses le reste. C'est ça l'annulation de dettes. Verset 20, Luc 4. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Ce n'était pas toujours activé. Ce n'était pas toujours activé. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tu penses que c'est qui? Tu prends la partie du Messie. Tu dis que c'est toi. Que tu es the one. I'm the one. I'm the blessing. Hein? Te voilà sur TikTok, tu dis ça tout le temps. Tu penses même que tu es qui? Jésus dit que, attendez, je poste un statut. Il fait, il envoie. Si Jésus, je suis sûr que Jésus aura au moins 127 millions de followers sur TikTok. Non, 148 millions ou 150. Il faut qu'il dépasse Kabila. Bon, Jésus aurait normalement peut-être 150 millions de followers. Et là, il dit, alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a une autre version qui dit, at your hearing, because you hear this. Parce que vous m'écoutez. Ce que je dis sur votre vie, ça s'active. Le spirituel est très délicat. C'est subtil. En fonction, pas comme le... Non. Le spirituel est très délicat. C'est fin. Très fin. Il y a les moments où Dieu aime les cris. Hacha, cha. Il y a les moments où Dieu vient seulement whisper. Jocelyne. Oui, reçois l'annulation de tes dettes. Ah oui, à mon nom Jésus. Oui, amen. Donc je vous dis, recevez la restauration de votre étoile. Recevez la restauration. Au nom de Jésus. Amen. On revient donc au psaume 105. Je voulais vous expliquer comment le spirituel fonctionne. Le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Quand une parole est dite 100 ans, et quand le temps arrive parce que la parole est en train de dérer comme ça attend.
Je vais vous amener encore quelque part dans Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit attendait. Il était seulement là. Mais on s'ennuie ici. On fait quoi? Et là, Dieu dit. Il a parlé. Quand il a parlé, c'est la parole qui allait activer la puissance qui n'avait rien à faire. La puissance s'ennuyait. I don't have anything to do. Let me just go and chill with the queen. Let's just have some tea. A cup of tea? Do you want some sugar? Oh, 3 sugar. All right. Oh, I'm waiting. I'm fine here. I'm fine. I'm waiting for the word. L'esprit attend. On dit esprit comme... Esprit, tu attends quoi? J'attends la parole. J'attends la parole. Je ne peux pas bouger sans la parole, moi. Oui, oui. La reine m'a donné le thé. Ne vous inquiétez pas. J'attends la parole. Que la lumière soit. La parole a attendu qui? Pardon, l'esprit a attendu qui? Quand vous explique la parole, la Bible est... Moi, quand j'ai... La Bible est sucrée. Il y a le goût dedans. Psaume 105, verset 20. Quand le temps de la parole est arrivé, le roi qui était lui dans sa maison, là-bas, il vivait sa vie. Joseph était dans sa prison, il vivait sa vie. La Bible dit que... Verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Le roi n'a même pas su ce qu'il faisait. La parole est venue le pousser. Comme ça là. L'esprit le pousse. Libérez-moi Joseph là. Amenez-le ici. Écoutez. Vos clients arrivent. Je ne sais pas pourquoi. Pendant, je vois vous en train de m'appeler. Non, attendez, finis d'abord le direct avant de m'appeler. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler. Je voulais travailler avec toi. Je ne sais pas, mais depuis que je t'écoute, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était aujourd'hui. Écoute, parce que la parole t'a localisé. La parole t'a localisé. Le roi commence à se mettre aussi dans le... Le roi fit ôter ses liens. Les gens qui vont venir ôter tes liens, généralement, ce sont les gens qui ne te connaissent même pas. Haut placé. Le dominateur des peuples le délivra. This is too big. This is too deep for you guys. Est-ce que vous êtes prêts? Ta parole est venue. Hein? Ça fait celui qui domine les peuples. Celui qui domine, c'est lui qui est commandé par la parole. Tout ce que tu as à faire, connecte-toi à la parole. Get the word. Get the word. Get the word. Il commande les banques. Le dominateur des peuples, il commande les immeubles. Les bailleurs là, il les connaît. Oui. Il commande les dragueurs. Il vous embête là. Citez ce que vous voulez, il commande. Le dominateur des peuples le délivra. On le délivre, ce n'est pas tout. On ne le laisse pas pour qu'il parte errer. Dieu ne vous délivre pas pour vous laisser comme ça. Il l'établit Seigneur sur sa maison. This is too deep, man. This is too deep. You're not ready for this one. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Like, are you ready? Are you ready? Are you ready to change your own life?
Est-ce que vous êtes prêt à changer votre propre vie? Quand en fait, la parole que je reçois, je suis connectée au dominateur des peuples, pas seulement de mon pays. Il commande la française des jeux, oui. Tout ce que tu veux, c'est ta vie, non? C'est ton cœur, non? C'est toi qui décides. Est-ce que moi, je vais venir parler dans ta vie? Que non, comme ça, là, c'est pas bien. Non, ça. Hein, ce n'est pas moi qui choisis. Le dominateur des peuples, il a la clé de la Bentley dans ce garage là-bas. C'est lui qui commande les maisons Land Rover, Range Rover, Bentley. C'est lui, ils ont la clé. C'est lui qui les commande. C'est lui qui commande le banquier qui va t'accorder le crédit. C'est lui qui va dire oui ou c'est lui qui va dire non. Donc tu la connais que quand toi tu te lèves pour partir là, tu arrives avec une confiance dans son bureau comme ça là. La fille se prend pour qui? Mais Allah qui, ça lui plaît, ça lui plaît. Quand il te voit, tu ressembles à une fille qui est même millionnaire là. Rara Malkia, est-ce que tu as effectivement consulté? Parce que moi, je suis open comme un livre. Tu as compris? Je pense que tu aurais pu m'écrire. Donc, si elle t'a consulté, tu me dis. Si elle ne t'a pas consulté, tu me dis, tu rembourses ton argent. Tu as compris? Je ne suis pas à 100 euros, 100 dollars près. Et c'est 110 dollars. Même si tu as payé 100 dollars, je ne sais pas pourquoi tu as consulté. Je vous connais bien maintenant. Hein, vous, les décepticons là. Que votre pied ne glisse pas pour passer sur ma page. Et je vous préviens toujours. Toujours. Always. Voilà. J'étais dans quelque chose de très important. Donc tu peux écrire sur WhatsApp tout à l'heure. Voilà. Je vous dis clairement, mes prix sont affichés ici là. Cache, jusqu'à ne blague pas. Donc si un jour quelqu'un croit qu'il a un fax sur moi. Je suis ici. I'm here. Tu peux venir prendre les preuves ici là contre mon tribunal. Et que c'est partout sur les réseaux sociaux. Oui, ici. Donc laisse-moi continuer mon enseignement, s'il te plaît. Thank you. Donc, vous allez seulement vous connecter au dominateur. Connectez-vous. Tu t'assois, tu sais que. Et est-ce que vous savez qu'il manque, il faut seulement que tu crois en toi. Parfois tu veux lancer quelque chose, tu as peur. Tu tombes sur une vidéo comme ça. Ça te libère le cœur. Tu dis, je me lance. Je me lance. Parce que tu n'avais pas quelqu'un dans ton entourage qui pouvait voir en toi. Ce qui m'a fait prospérer, je suis tombée sur quelqu'un en ligne. Quand je dis que je dormais avec les vidéos de l'homme là dans mes oreilles. Hey! Il me dit, il a commencé à faire de jalousie. J'ai commencé à comprendre pourquoi les gens me détestaient. Comment ça, accepte la jalousie, accepte, ne les calcule pas, mais accepte qu'ils vont te détester. Il dit, waouh, oh Seigneur. Oh! Parce que parfois quand tu veux monter, tu as l'impression que tu fais du mal à quelqu'un en voulant t'avancer. Oui, parce qu'ils savent que tu les dépasses. Mais ils ne veulent pas que tu saches qui tu es. She must not know. She must not know. Parce que si elle ose, non. Elle va faire les vidéos, les gens vont regarder, ça va les aider. Non, faut pas qu'elle sache. Oh, quand j'ai commencé à accepter que je suis choisie, que je suis la bénédiction, que je suis la bénédiction. Et quand je touche, même ma parole, si ça te touche déjà. Même ma parole te touche déjà. Si tu m'écoutes et tu n'as pas décidé que non, je vais reprendre le truc là. Je vais encore lancer. Tu sais quoi? Il n'y a plus rien à faire pour toi. Même dans la consultation, là, ne viens pas. Tu es choisi. Dieu, quand il te fabriquait, il a dit que si Jocelyne là, il faut que je mette une touche extra. Ta tante part chez le marabout quand tu as 4 ans, on lui dit. Elle commence à te détester pour rien.
pour rien. C'est quand tu as 38 ans que tu comprends. Elle était partie à la vie, elle a dit à ta mère. Les deux ne t'ont jamais dit. Voilà ta mère sur son lit de mort un jour, elle te dit, ma fille, tu sais, j'ai toujours su que tu allais faire dans le spirituel. Quand tu avais 4 ans, ma soeur était partie chez quelque part. On a dit que tu allais devenir ça, mais on ne voulait pas ça dans notre famille. On t'a bloqué. Tu dis, yay! Donc mon mal venait comme ça de chez nous. Vous serez très surpris de savoir d'où vient votre mal. Très surpris. Très surpris. Et malgré tout le blocage, Dieu est en train de parler dans ton cœur. Fais. Fais, ma chérie. Fais. Fais. Tu tombes sur ma vidéo, hein. Là où tu as ton cœur va même exploser. Tu dis que je savais. Je savais que je n'étais pas folle. J'ai toujours su que je ne suis pas folle. Maintenant, plus tu vas monter, plus ils vont venir. Parce que avant, c'était seulement peut-être les membres de ta famille, tu vois. Tes petits ex. Oh, ils seront sous toutes les formes. Avant qu'on me disait, tu vas voir, ils vont venir à cause de ta lumière, à cause de ton argent, à cause de ceci. Souvent, c'est bon ça. Quand je vois une nouvelle facette, je dis, hein, je n'avais pas encore vu l'autre aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait mixer 3-4 couleurs. Ça donne une nuance de couleur. Je n'avais pas encore vu l'autre là. Je croyais que c'était seulement au ciel que ça existait. Mais je vois. Ils arrivent. Ils arrivent. C'est pour ça que vous ne devez faire confiance en personne. Trust your own instinct. Crois-toi. Fais-toi confiance. Il y a des moments clés où le Seigneur va te parler. Tu vas rester comme ça, tu vas sentir l'esprit sur toi. Beaucoup d'entre vous, avant de tomber sur mon direct, peut-être dans la journée, tu te posais des questions, tu ne savais pas, tu tombes là, tout ce que je dis, c'est net ce que tu demandais dans la journée. Net, net. Tu vas commencer à comprendre que tu n'es pas seul. On t'a fait croire. Bonsoir de London. Tu n'es pas seul. Tu es guidé. Tu es un. Tu es protégé. Guidé, un, protégé. Le verset 22 du psaume 105 dit que on a mis Joseph gouverneur de tous les biens maintenant. C'est lui qui commandait maintenant. Et voilà ce qu'on dit qu'il fait. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner les princes. Les gens qui vous avaient bloqué là. Dans quelques temps, c'est vous qui allez décider de leur destinée. Ça, c'est la prophétie de quelqu'un là-bas. Tu seras choqué. Vous venez me demander. Ah, mais je suis seulement moi, non, c'est seulement moi la petite Jocelyne, sinon. Non, on a besoin de toi. Voilà, il faut que tu dises vraiment. Oh. Tu dis que l'affaire a été vraie. This thing is true. This thing is true. La pierre qui avait été rejetée. C'est maintenant toi qui portes toute la maison. Vous voyez quand vous voyez sur les films nigériens là, non? Avant, il était pauvre, il a galéré, gna gna gna. 15 ans plus tard, il revient au village avec la voiture. Tu vas commencer à tourner le film là toi-même. Tu vas tourner le film là toi-même. Enfin, likez ma vidéo. Apparemment, ça va bugger si vous ne likez pas.
Et après, on dit qu'il enchaîne celui qui veut. Et il enseigne la sagesse aux anciens. Non seulement tu vas enchaîner les gens, maintenant ce sera toi qui sera chargé d'enseigner. Dites-moi, waouh! On t'a laissé, tu as vendu le foléré, tu as vendu ceci, tu as vendu ça, tu as galéré. Tu étais en train d'apprendre, tu étais à l'école. Aujourd'hui, c'est toi. Tu restes comme ça, tu sors une parole de ta bouche. Il y a une situation où ça, tu dis, faites comme ça. On se tourne, on dit, waouh, tu as appris ça où? Tu ris ça, moi. le Seigneur m'a préparé. Quand il est venu diriger le pays, là, il a appris ça en prison. Il a géré les gens en prison. C'est la gestion de la prison qui prend et vient gérer le pays avec après. Donc, rentrer dans l'université de Dieu. Rentrer dans l'université de Dieu. Laissez Dieu vous enseigner comme il a prévu. Moi, je sais que je suis venue seulement pour annoncer la fin de beaucoup de mauvaises choses dans la vie de quelqu'un ce soir. Beaucoup d'entre vous, cette nuit, vous allez être visités. On m'a chargé de vous dire ça. On m'a chargé de vous dire que vous serez visités cette nuit. Vous allez avoir les confirmations. Beaucoup d'entre vous, on va vous montrer vos pouvoirs. Vous avez des pouvoirs cachés. Parce que les choses que le marabout avait fait là, ça avait effectivement bloqué certains de vos pouvoirs. Pas stoppé, mais juste fermé, bloqué en fait. Éternel des armées, je vais délivrer tout le message que tu m'as donné. Je vais prier une prière sur vous. Oh, la Bible est sucrée. Jean chapitre 17. Là, je vais me prendre pour Jésus, hein, carrément. Je prophétise sur vous. Jean 17. Après avoir parlé ainsi, Jocelyne leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ta fille et glorifie ceux qui m'écoutent, afin que ta fille glorifie aussi ces personnes. Selon que tu as donné le pouvoir, tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, afin que j'accorde la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. Or, voici la vie éternelle. Voici ça. C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée ce soir à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Trop. Ouais, la décès, tu condamnes mon direct ce soir. Jesus, moi, ne dormez pas. Je ne vous contacterai jamais en commentaire pour vous donner un numéro béninois, pour vous dire de m'envoyer l'argent par là. C'est un escameur. Maintenant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Verset 6. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Écoutez, vous n'êtes pas tombé sur le direct par hasard. Dieu vous a amené ici. J'ai dit ce qu'il fallait que vous entendiez ce soir. Donc je lui remets maintenant les personnes qu'il m'a données. On ne vole pas les gens de quelqu'un. Comme quelqu'un chantait, ce qui est à toi restera pour toi. Vois même le plus grand marabout, il ne peut pas te donner ce qui est pour moi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Seigneur. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé ce soir dans leur vie.
C'est pour eux que je prie, Seigneur. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, Seigneur. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Beaucoup d'entre vous, ce soir même, vous allez me voir. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Et maintenant, je dis ces choses dans le monde afin que qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je dépose sur vous la joie. Une joie qui ne peut être prise par personne. Je vous donne les paroles de l'Éternel ce soir. Et je sais que le monde vous a haï. On vous a détesté. Parce que vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas seulement de les ôter de ce monde. Préserve-les ici, Seigneur. Qu'ils prospèrent ici. Que ce soit visible ici. Je veux pas seulement la richesse spirituelle. Je veux l'argent, Seigneur, sur leur vie. Et que tu les préserves du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Je vous ai dit cette parole qui m'a été donnée. Je vous l'ai donnée. Et je vous envoie aussi. Tu peux écouter ça, tu prends ton téléphone, tu fais le direct. Tu donnes la même parole aux gens qui te suivent. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Même ceux qui vont croire en ce que vous allez dire, je suis connecté à eux. Voilà comment la parole fonctionne. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vous donne la gloire de Jésus. Je déclare que votre lumière brille à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui est venue pour prendre votre lumière, toute personne qui est venue pour vous décourager, toute personne qui a été envoyée, je déclare qu'elle est exposée. Tout envoyé maléfique dans votre vie, je déclare qu'il est exposé. Je mets la lumière sur vos finances. J'enlève tout manque. Vos magasins, je déclare que vous êtes désormais visibles sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la parole que vous avez reçue aujourd'hui ne quittera pas de votre esprit. Toute bénédiction que vous avez reçue ce soir, vous avez écrit, affiché ça quelque part, collé sur votre porte avant de sortir, un truc comme ça. Merci Laïla pour les bénédictions. Merci. Je retourne aussi. Je retourne ce que tu es en train de me donner comme argent. Je te retourne ça au nom de Jésus. Je déclare que toute parole qui a été reçue ce soir et qui est scellée par des offrandes, je viens bénir ces offrandes au nom de Jésus. Éternel, je déclare, comme ils vont se coucher pour dormir. Ange Michael, je déclare que leurs chambres sont protégées. Aucun animal mystique n'aura plus accès à votre maison, ni à votre chambre au nom de Jésus. Aucun miroir maléfique n'aura plus accès. Aucune caméra qu'on a mise pour vous contrôler ne pourra encore vous observer et faire le rapport dans ces endroits au nom de Jésus. Je coupe la connexion entre tout mauvais esprit et vous. Toute puce qu'on a mise sur vous pour vous traquer à chaque fois. Je déclare que vous êtes désormais invisible pour eux. Je vous connecte à vos maris, à vos futurs maris. Je déclare que quand ils vont vous voir, leur cœur va vous aimer une fois. Au nom de Jésus. Oh, Pierrot, je t'ai beaucoup aidé ces derniers temps dans ton séjour à l'hôpital. Alors, nous venons sceller ta guérison au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je déclare que tout ce que vous me donnez, je vous le ressème dans votre vie au centuple. J'ajoute 2 zéros sur ça au nom de Jésus. Pour les au Cameroun, Orange Money, c'est le 693 50 22 66.
693 50 22 66. Quand tu envoies ton offrande, prie dessus. Seigneur, que ce que je viens de recevoir, je le scelle par le sang de Jésus. Je scelle mon visa par le sang de Jésus. Je vous ai enseigné hier que quand tout ce que tu reçois spirituellement, scelle toujours. J'ai pris le temps, j'ai enseigné avec la Genèse. Je vous ai montré. Toute maladie qui est sortie de votre corps ce soir, toute maladie d'enfance dont vous avez été guéri, je scelle cette guérison par le sang de Jésus. MTN, c'est le 680-71-0701. 680-71-0701. 680-71-0701. Et puis PayPal, c'est Aurélie Michel, Aurélie avec E, A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, donc Michel avec E, 2017@gmail.com. Pour PayPal, ça va s'afficher en livres sterling. C'est un compte anglais. Au Gabon, Airtel Money, 0747-39-179. 0747-39-179. Et le nom sur Airtel Money, c'est Jean d'Éric. Le nom au Cameroun, c'est Jocelyne. Jocelyne. Merci pour vos bénédictions. Je les reçois abondamment. Merci pour les fleurs. Merci pour les roses. J'enlève tout esprit de dépression sur vous au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce que vous avez reçu, vous n'allez pas oublier. Je chasse tout dévoreur qui va venir pour vouloir voler la semence qui est tombée dans votre cœur ce soir. Toute image de vous que vous avez vue, je déclare que cette image ne va pas partir au nom de Jésus. Je déclare que votre démarche demain sera différente au nom de Jésus. Je déclare que même cette nuit, vous allez recevoir les trésors qui vous avaient été volés au nom de Jésus. Je déclare que vos grands-parents, vos ancêtres vont venir pour vous mettre des couronnes sur votre tête cette nuit au nom de Jésus. Je déclare que l'abondance de la mer devient la vôtre au nom de Jésus. Amen. Bon, si vous faites un paiement, vous faites une capture d'écran, vous envoyez par WhatsApp. Et formulez surtout votre prière avec ça, c'est très important. Merci pour le cadeau. Amen. Ma Evie. Tu as longtemps attendu. Check les gens là. Tes bénédictions sont en train de venir, ma Evie. Check ton téléphone, ils sont en train d'écrire. Ma Evie, ta saison est là en fait. Ta saison est là. Tu t'es longtemps cachée. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est un peu... tu es quand même un peu âgé. Dans le sens où tu as essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Donc, tu es en pleine restauration. Bon, pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter le numéro du Cameroun. Et vous pourrez aller sur place à Abidjan pour le lavage et pour recevoir les produits. Nous déclarons la justice pour ton enfant, Pierrot. On est là, Kendra. Pierre Hervé, tu as longtemps attendu. Maintenant, ta soif de recevoir et de connaître l'Éternel est en train d'être satisfaite. Le Seigneur me dit, te dit que tu vas recevoir une pluie de bénédictions. C'est comme si tu as longtemps attendu, ton ciel était très plein. M.A. Evie, tu vas arrêter de te cacher. Me dit, te dit d'arrêter de te cacher. Louis, tu as eu beaucoup de tristesse, tu as perdu des choses. Il va falloir que tu sois prête, ouvre encore tes bras pour recevoir. Ibrahim Pétrolier, tu as la patience en toi. Tu es patient, tu sais recevoir à temps.
Merci. Donc, il y a Ma et Vie qui dit c'est vrai. Ok. Merci pour la casquette. Qui m'a donné la casquette? C'est Louis, c'est qui ça? Qui a donné la casquette? Jeannette, très jalousée dans ta famille, Jeannette. Très jalousée. Il faut faire attention. Cindy Dorinel. Tu as des choses que tu as commencé, ça ne marchait pas beaucoup. Cindy, là. Je te vois un peu comme tu te cachais, tu attendais à l'affût. On me disait que c'est le moment de sauter maintenant. Comme un lion qui attendait, qui va prendre sa proie. Mariama. Très belle, très combattue, jalousée, jalousée. Donc, il va falloir que tu t'éloignes. Je ne sais pas si tu es encore dans la maison familiale. Il faut que tu sortes de là. Loveline, Loveline. On te parle, tu écoutes, mais tu ne fais rien. Tu attends que Dieu descende de lui-même pour faire quelque chose pour toi, Loveline. Ma et Vie. Je regarde ceux qui ont donné les fleurs. Hein. Vous passez en priorité. Pierre Bellinga. Tu as aussi beaucoup d'amertume, Pierre, que tu dois libérer. Ibrahim Pétrolier. Je vois beaucoup, c'est comme si c'était des gens de ta famille qui t'ont bloqué, Ibrahim Pétrolier. On a vu que tu allais faire beaucoup de choses, que tu montes ce que ça allait. Ils t'ont bloqué. Est-ce que tu allais faire le sacrifice au village? Mariama, tu es dans ton foyer. Est-ce que tu as une belle famille qui te dérange? Je vois, en fait, tu es très jalousée, celle qui est éduquée dans son foyer. C'est comme s'il y a des gens avec qui tu es associé, que tu dois quitter. Tu vois des personnes qui en veulent à ta beauté, qui en veulent à ta stabilité. Donc, voilà, il y a des gens avec qui tu dois te détacher. Louis-Paul, c'est qui? Louise-Paul. Paul Tossa, tu es comme un... Tu as la puissance spirituelle. Tu es comme un robuste monsieur spirituellement. Maintenant, tu es en train de t'éduquer. Ça va s'ajouter à ta puissance. Bon, Ibrahim, tu dis que c'est ça. Hein. Ibrahim, tu dois aller faire des trucs au village, je pense. Ça va te permettre de traverser. Yves. Un peu comme si tu es un peu perdu ces derniers temps, Yves. Tu as des décisions que tu dois prendre. Ils veulent que tu te concentres, qu'ils vont te répondre, que tu ne t'inquiètes pas. C'est comme si tu es un peu à la. Tu as hâte. Tu veux, tu es pressé. Fais confiance en leur temps. Vital Laetitia. Ouf. Tu as une notion d'empéresse. Impro onction. Et c'est ta confiance que tu as en toi qui énerve même les gens dans ton entourage vital. Il va falloir que tu continues d'avoir confiance en toi parce que tu y es presque. Le Gold avait les problèmes de papier là. Est-ce que tu as fait la libation pour le sol? Parce que tu es quelqu'un que tu es très mature. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas bloquer ton argent. Maintenant, ils ont envie de prendre les papiers d'abord. Quelque chose qui te frustre dans ta vie. Nina, tu es une lumière. C'est comme tu es un agent de lumière, Nina. Tu brilles. Paralysie du sommeil. Ne manque pas de verser le sel autour de toi quand tu dors. Tu verses le sol, le sel autour de ton lit. Et les psaumes, là. Si mon Ghislaine,
Wow, je te vois comme tu tiens un business de cosmétique. Tu es très imposante, très très stricte dans tes affaires. Oui, ton fils est mort, Pierre, je pense au prix Pierrot, mais il va falloir que tu libères ses énergies. Ça va te libérer, te permettre d'avancer, même s'il faut que justice soit faite. Tu peux pas garder cette énergie dans ton cœur. Bonjour Lionne. Ruth. Ah, Ruth, tu es revenue. Ruth Leque. Comment tu vas? Leïla Optique. Leïla, tu as beaucoup de questions et tu es dans une saison où ils veulent que tu te concentres à l'intérieur pour qu'ils te parlent. Leïla. Leque, tu dois. T'as un peu le que je reviens. Il y a une personne ici, là, Raïssa. Voilà, Raïssa. Tu es dans une phase où tout ce que tu fais, soit ça commence déjà à marcher, soit ça va bientôt marcher. Tout ce que tu vas toucher va commencer à vraiment donner. Tu es déjà des personnes, tu dois avoir l'argent même le degré de Rihanna là. Tu vois beaucoup d'argent dans ton onction. Laurentine, tu dois. Ne fuis plus les procédures, comme si tu aimes un peu fuir. Et c'est dans ta course de fuite que l'ennemi t'utilise. Il utilise des choses pour te faire du mal en fait. Je ne vais pas vous mentir, il est 23h30. Je dois faire le direct demain à 6h donc. Ouais, Ruth, je devais te parler. Il faut que tu te démarques du lot, Ruth. Il y a des choses que Dieu t'a montré de faire depuis. Tu as commencé, après tu as abandonné. Il va falloir que tu oses sortir. Assis, je vais te voir sortir du lot de tes frères et sœurs. Et demain, oh, ça va finir demain. Bon, Queen Medina. Queen Medina, attends, je vois un peu. Queen Medina, comment tu vas? Queen. Beaucoup de personnes de ta famille ont voulu te décourager. Quand tu as commencé à avoir des projets, des grandes ambitions, on est venu pour t'attaquer, pour te décourager. L'esprit média t'a dit que tu dois tenir bon. Parce qu'après un moment, ils vont commencer à accepter. Ils ont même eux qui vont souvent t'appeler, comme, je sais pas, si peut-être tu t'appelles princesse quelque chose, ils vont t'appeler princesse maintenant. Bon. Facebook, bye bye.